Excellent travail, Brittany. Une journée bien ordinaire, Jerry. Brittany? Jerry, je n'ai plus de liaison radio. Je passe en commande manuelle. Jerry, vous me recevez? Impossible de rétablir la liaison. Répondez, Jerry! Cette valise, tu pars en vacances? Ni l'un ni l'autre. Je suis une collaboratrice Betty Beauté. Avouez que c'est fantastique. Une beauté Betty Cola quoi? Je fais du porte-à-porte pour vendre les meilleurs cosmétiques du monde. Je me trompe ou cette marque a été poursuivie pour escroquerie récemment? Ils n'ont rien pu prouver. Je confirme, vu les prix sur les étiquettes, c'est du vol. Allons, si on veut être belle, il faut y mettre le prix. Sam, ce serait pas un petit bouton que je vois là? Tu m'avais dit qu'on voyait rien. Alex, à l'évidence, tu as encore récuré la baignoire. Ben oui, elle se nettoie pas encore toute seule. Allez quoi, laissez-vous tenter. Faites ça pour moi, votre meilleure copine. Dois-je vous rappeler la présence de nos collègues masculins au pique-nique du Whoop ce week-end? Bon d'accord, alors dans ce cas-là, je prendrai une lotion pour les mains. Et moi une émulsion matifiante de jour. C'est comme si tous les pores de ma peau respiraient en profondeur. Génial, mes mains n'ont jamais été aussi douces, je rêve. Ça fera $69.47. C'est normal que notre meilleure amie devienne la pire ennemie de notre porte-monnaie. L'heure est grave, mademoiselle. Ce que je trouve particulièrement gravissime, c'est votre teint grisâtre. Heureusement, je peux vous vendre une crème auto-bronzante miraculeuse. Brittany, on s'est écrasé en avion. Brittany! Il survolait une île de l'océan Atlantique quand son ordinateur de bord a lancé un code alerte rouge. Et puis, plus rien. Mais enfin, c'est une des meilleures espionnes de tous les temps. On lui avait appris toutes les ficelles de la profession. Elle n'a pas rétabli la communication. Je ne m'étonnerais pas qu'elle soit blessée. Qu'est-ce qu'on attend? Exactement, il faut tout de suite aller à son secours. La situation est un peu plus compliquée que ça. Il n'y a rien de compliqué quand il s'agit d'une amie en détresse, Jerry. Exact, Brittany est la meilleure. Même qu'Alex était super jalouse d'elle. Oh non, j'étais pas jalouse. Enfin, pas longtemps. Juste assez pour démissionner. L'île qu'elle survolait abrite un pénitencier où sont détenus les plus dangereux criminels que le Whoop ait appréhendé. Aucune importance. On fera attention de rester à l'écart du pénitencier. Ça ne suffira malheureusement pas. L'avion de Brittany a détruit le système de sécurité en s'écrasant au sol. Vous voulez dire que Brittany se retrouve seule, entourée de criminels, évadée de prison? En effet. Et si le système de sécurité est désactivé, l'île passe automatiquement en mode autodestruction. Il vous reste exactement 3h12 pour la retrouver et la sortir de là. Dans ce cas, téléchargez-nous la fiche d'identité de tous les prisonniers le plus vite possible. On va en avoir besoin. Distribution des gadgets. Gladys, alors le kit habituel, avec en plus lentilles infrarouges, lima ongles laser et bague à projection holographique. Tiens bon, Brittany, on arrive. Clover, c'est le moment de se familiariser avec les criminels de l'île. Apparemment, trois sont particulièrement dangereux. Gargantua, le chirurgien et Aliénator. Gargantua a tout simplement tenté de réduire la planète en poussière. Il s'est déjà évadé deux fois, causant des dégâts considérables avant d'être repris. Un robot géant bête et méchant, on n'aura qu'à déconnecter quelques fusibles. Le chirurgien, quant à lui, s'était mis en tête de défigurer le monde. Visage après visage, un vrai psychopathe. Il devrait sérieusement songer à une chirurgie des neurones. T'as raison, il faudra s'en méfier de celui-là. Le troisième n'a pas l'air mal non plus dans son genre. Aliénator a été incarcéré parce
Est-ce que ce gentil extraterrestre était venu nous rendre visite afin de nous dévorer? Comme il est aveugle, ses autres sens sont hyper développés. Une seule respiration et vous êtes détecté. Tiens, en parlant de respiration, j'ai l'impression d'étouffer. Il me gratte ce casque, c'est horrible. Moi, c'est le cuir des gants que je supporte pas. Mes mains me démangent atrocement. C'est drôle, je ressens rien de tout ça. Je me demande quelle nouvelle tenue je vais mettre pour le pique-nique du Whoop. Je comprends pas, on devrait pas survoler l'île en ce moment. Cette île est top secrète, ce qui veut dire qu'elle est certainement camouflée. Juste une seconde, je désactive le programme. Voilà l'île. Et maintenant, allons vite sauver Britney avant que ce petit coin de paradis explose. Je pourrais peut-être leur vendre quelques produits de beauté. Sécurité est désactivée. Vous entendez? Les tiennes, Alex. Oh, elles sont toutes poilues. Je suis sûre que ça vient de ta crème de Betty machin. Oh, ça va s'arranger, Alex. Il y a de la crème dépilatoire dans la gamme Betty Beauté. Bon, on a assez papoté à présent. Il nous reste 2 heures pour retrouver Britney et pour filer avant l'explosion. Ouais, allons-y, ne perdons pas de temps. C'est possible de s'écraser sans rien casser? Bonne question. Je vais me connecter sur la boîte noire. L'ordinateur de bord fonctionne parfaitement. Si Britney s'était posée sans problème, elle aurait rassuré Jerry. Il y a quelque chose de louche là-dedans. Voyons ce que raconte la boîte noire, on sera fixé rapidement. Alors... Britney ne s'est pas écrasée. On l'a forcée à atterrir. Mais qui a fait ça et pour quelle raison? Je déteste quand on se fait avoir par un piège aussi classique.
Regardez-moi ces pommettes, ces yeux, ce menton. Je suis sensible aux compliments, mais vous savez, je suis née comme ça. Ici, un petit coup de scalpel, là, une légère incision, et ton visage sera aussi parfait que le mien. Oh, le fou, il est en plein délire. Hé, hey, Doc, vous pouvez faire quelque chose pour mes mains? Ah, ça alors, c'est extrêmement séduisant. On essaie de s'échapper. Je vais t'opérer la première pour la peine. C'est impossible. On ne peut pas couper ses sangles. Le matériel médical n'est plus ce qu'il était. Je suis ceinture noire de karaté. Vous maîtrisez le karaté, mais moi, ma spécialité, c'est le coup de pied retourné. Ça vous dirait de faire un petit tour de manège? Britney? Britney, ça va? Clover, Alex, Sam! Oh! J'arrive pas à croire que vous m'ayez retrouvé. Il n'y a pas meilleur que vous comme espionne. Par contre, c'est bizarre, vous n'auriez pas changé quelque chose toutes les deux? Je sais, c'est de la faute de Clover et de ses produits de beauté minables. Ah oui, et ta coupe de cheveux, c'est ma faute aussi? C'est drôle, toi aussi t'as changé, Britney. Je sais pas, mais tu parais différente. Ah oui? Bon, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on en discute une fois qu'on aura quitté cette île. T'as raison, le temps est compté. Partons vite d'ici. Où est-ce que tu vas, Britney? Ton avion est par là? Et c'est là-bas qu'ils nous chercheront en premier. Rejoignons plutôt la plage où le sous-marin du Whoop nous attend. Je l'ai largué quand j'ai perdu le contrôle de l'avion. Waouh, dans la pire des situations, tu gardes tes réflexes. Vous voyez, même pas jalouse. J'ai eu d'excellents professeurs. Il y a juste un petit problème. On prend quelle direction pour rejoindre la plage? Facile, on a qu'à se laisser guider par le vent. C'est bizarre, tu pèles. Aïe. Oh, ça fait des bouts de peau, Clover. Qu'est-ce que tu lui as fait? Oh, allez, ça suffit. Vos problèmes de peau en tout genre n'ont pas été provoqués par mes produits Betty Beauté. Et je vais vous le prouver. Coucou, Britney. Hey, ne t'inquiète pas, c'est parfaitement inoffensif. Vous aviez peut-être raison. Laisse à désirer cette gamme de produits. C'est pas ta crème et c'est pas sa peau. C'est un masque en latex. Et derrière le masque de Britney se cache Willard, le criminel le moins rapide du monde. J'étais absolument sûr. Que de gentilles petites espionnes comme vous ferez tout pour venir en aide à leurs chers collègues. J'ai donc créé un rayon capable d'attirer son avion et de l'obliger à atterrir sans dégâts pour que je puisse m'évader avec. Bon, bah alors courez, personne ne vous retient. Dites-nous seulement où se trouve Britney. Courir toujours et encore. J'ai horreur de courir. Je déteste aller vite. Vous n'avez tiré aucune leçon de notre dernière rencontre. Bon, ça va, on y va. On vous a arrêté une première fois. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pensez pouvoir nous battre? Car j'ai ça. Ça va, Willard. On va parler plus lentement. Vous voyez? On va articuler bien lentement. J'ai passé 3 semaines à écrire ce discours. Alors la moindre des choses, c'est de m'écouter patiemment. Où en étais-je déjà? Ah oui, c'est ça. Une fois débarrassé de vous pour de bon, je prendrai la tête d'une armée de criminels et quitterai cette île pour prendre... Pour prendre quoi déjà? Pour prendre... Ah oui, le monde! Ça vous a pris 3 semaines? Où est Britney? Les copines, vous êtes vraiment les meilleures, mais il fallait pas risquer vos vies pour moi. T'aurais fait la même chose pour nous, on le sait. Rassurez-vous, on va s'en sortir vivants. Et allez, ça recommence. On parle trop vite et on s'agite. Courir toujours et encore. Quand apprendrez-vous? Ah, maintenant d'accord, on veut bien apprendre. Vous me
me décevez, les filles. C'est seulement maintenant que vous acceptez de m'écouter alors que votre faille est si proche. Souvenez-vous, il est aveugle. Restons immobiles et il ne remarquera pas notre présence. Oh, ça fait dur, ça gratte. C'est facile de dire ça pour toi. J'adore cet état d'esprit. Faut absolument qu'on fasse les soldes ensemble. Chut, il détecte aussi les mouvements de lèvres. Mais bien sûr, il nous entend. À nous deux. Ciao, Alienator. C'est le dernier gadget du Whoop, le sifflet à ultrasons pour Alien Envahisseur. Oh, c'est bizarre, j'ai l'ultrason qui persiste dans mon oreille. C'est pas un ultrason, ça vient de ma montre. Ouh, l'espace d'un instant, je me suis cru extraterrestre. Il ne reste exactement 4 minutes avant que l'île n'explose. Il faut faire très vite. T'aurais une carte pour nous mener à l'avion, Britney? J'ai beaucoup mieux que ça. J'ai allumé mon GPS en mode enregistrement quand ils m'ont capturé. Waouh, mais c'est vrai qu'on t'a bien formé. Absolument. On devrait demander à Jerry de t'intégrer à l'équipe de façon permanente. C'est vraiment chou, Alex, mais Jerry m'a déjà affectée dans une autre équipe. Les copines, je vous présente Dimitri et Xavier. Trop mignon. Ils sont pour moi. Pas question. Ils seront présents au pique-nique, je vous les présenterai. Chers amis, le moment tant attendu est enfin arrivé. Nous allons nous lancer à la conquête du monde. Plus que 2 minutes et 49 secondes. Est-ce qu'on est encore loin de l'avion? Non, il est juste derrière ces arbres. Il risque de l'atteindre avant nous. Pas si on se sert de la bague à projection d'hologramme. On n'a qu'à camoufler le vrai appareil et projeter son image un peu plus loin. C'est une excellente idée. Willard et sa bande vont embarquer dans un mirage. Oh oui, ça va être super drôle. Il faut qu'on les piège. Ça tombe bien, je crois que j'ai le gadget qu'il nous faut pour ça. Donnez-moi juste 2 secondes d'avance et attirez-les vers l'avion fantôme. Bon bah ça y est, je crois que ça fait 2 secondes. Alors on fonce, l'avion est par là. Hein? Rattrapez-les, elles vont vers la plage. Ah, pour un type qui déteste courir, il se déplace plutôt vite. Plus que la course, ce qui compte est d'arriver à temps. Attrapez-les. Qu'est-ce que c'est que ça? Du déodorant? C'est vrai que tu en aurais besoin, mais c'est tout autre chose. Un peu d'engrais instantané. Vous voyez, la rapidité, ça a du bon quelquefois. Excellent conseil. Coup de pied, esquive, plongeon, c'est moi qui l'ai tout appris. Vous voyez, l'avantage du métier d'espionne, c'est comment on voyage. Et le grand air, c'est excellent pour les pores de ma peau. Thank you.
une crème apaisante mise au point par le département cosmétique du Woop. Je vous retrouve enfin, les copines, ça fait chaud au cœur. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Bon, ça va, je rends les produits demain à la première heure. Elle était courte ta carrière de vendeuse. Bon, alors tu comptes nous rembourser quand? Ah, attends, on n'a jamais parlé de remboursement. Et tu viens de reconnaître que c'était du vol pur et simple. Une vente Betty Beauté est définitive. Comment voulez-vous que je gagne ma commission si je rembourse toutes mes clientes? Pas vrai, Clover? Pour moi, une fête sans un point tranquille spécial bisous, j'y mets pas les pieds, même pas en rêve. Musique, coin intime et ballon? Franchement, si c'est pas la fête du siècle. Ah, je vous préviens, vous la cassez, vous la remboursez. Ça alors? Tiens, les filles qui valent moins que zéro, les décasses. Vous voulez admirer en exclusivité une véritable œuvre d'art? Une statue de toi taillée dans la glace? Toujours aussi modeste. La modestie, Sam? Qu'est-ce que c'est? Je vous présente le clou de ma fête sur le thème tip-top cool attitude qui aura lieu samedi soir. Dommage, Michel-Ange, ça tombe le même soir que notre fête. Non, c'est vrai. C'est pas grave, de toute manière, vous n'êtes pas invités. Strike! Allez, salut, je vais transformer ma piscine en patinoire. Tip-top cool attitude. Mais comment lutter contre ça? Au hasard, avec un lance-flamme. Attendez, j'ai une idée. Bonjour, mademoiselle. Que la fête commence sans plus tarder, si vous le voulez bien. Je vous préviens, s'il se met à danser, je sors d'ici. Depuis une semaine, nous assistons à des destructions à tout genre, véhicules, bâtiments, sans raison apparente. Ce chaos doit cesser immédiatement. C'est à l'arbitre de prendre ce genre de décision. Lui seul peut dire s'il y a chaos. Apparemment, quelqu'un préfère le sport aux Français. Tenez, regardez. C'est vrai qu'on dirait qu'ils ont notre âge, mais ils ont plutôt l'air d'être en échec scolaire. Ils n'ont pourtant pas été renvoyés de l'école. Bien au contraire. Sport, art plastique, danse, chacun de ces jeunes excellait dans sa spécialité avant de mal tourner. Alors, question, pourquoi? Beaucoup trop de sucre. Jeux vidéo violents. Mauvais choix vestimentaire. Je peux devenir dangereuse si je n'ai pas les accessoires coordonnés à ma tenue. Toutes ces hypothèses sont passionnantes, mais peut-être que le compoudrier pourrait nous mettre sur la voie. Bonne suggestion. Voyons s'il y a un point commun dans les profils de tous ces jeunes talents. Bingo! Tous ces jeunes ont récemment fait un stage à la Surdouée Academy. Et ça les a rendus comme ça? C'est plutôt la Déjantée Academy. Faites vos valises, mademoiselle, vous partez en stage. Désolée, Jerry, mais moi, les stages d'entreprise avec soie à l'élastique et compagnie... Allons, il ne s'agit pas de ce genre de stage. Ce sont des séjours de perfectionnement intensif. Je laisse à Gladys le soin de vous équiper pour l'occasion. Allons-y, mademoiselle. Je vous propose donc pour cette mission les gadgets suivants. Les bottines antigravité, les oreillettes émetteurs-récepteurs et pour terminer... De l'insecticide? Quelle horreur! Vous savez que je ne supporte pas les insectes! Ça a l'apparence d'une bombe insecticide, mais l'aérobrume pulvérise en réalité un effet brouillard concentré idéal pour couvrir une évasion. Et il est même délicatement parfumé à la pomme de pin. C'est joué comme ça, mademoiselle. En route, le trajet pour atteindre l'académie nous prendra quelques heures. Nous prendra quelques heures? Pourquoi? C'est moi qui vous conduirai personnellement cette fois. Nom de code? Hop, hop. J'enclenche le mode camouflage. On va bientôt arriver. Et si on chante une chanson? Mesdemoiselles, tous ensemble. Si on peut trouver un truc plus drôle, je rêve. Sam? Oui, tout à fait d'accord. Complètement d'accord. Allez, un petit effort. La musique est un excellent stimulant intellectuel. Oh, mais oui, j'ai trouvé de la musique. On pourrait engager un groupe pour jouer en live à notre soirée. Pourquoi pas les Teen Cycles? Je les appelle tout de suite. Trop fort, Mandy sera verte quand elle apprendra ça. Wow! Trop tard, je joue déjà samedi soir à la soirée de Mandy.
et moi penserons à vous. Faites comme si on ne le connaissait pas. Souviens-toi, mon garçon, je veux que tu sortes en tête de la promotion. Sinon, tu ne rentres pas à la maison. J'espère que vous ne venez pas ici pour gagner, parce que les jeux sont déjà faits. On veut d'abord s'amuser, après on verra. C'est ça, oui. L'essentiel, c'est de participer. Wow, à mon avis, la concurrence sera rude. Bon, allons-y. Suivant. Il y a quelques garçons plutôt pas mal. Tu veux dire totalement craquant? Ça m'arrangerait de prendre du temps pour boucler cette mission. Suivant, votre prénom et spécialité? Je m'appelle Alex et je me débrouille plutôt bien sur un skateboard. Au suivant. Je m'appelle Clover, reine de la danse moderne. Les mots me manquent pour décrire mon talent. Bien le bonjour, alors moi c'est Sam et j'ai déjà remporté 6 fois le concours local d'accordéon. Tu sais Sam, il y a des talents qu'il est préférable de garder pour soi parfois. Bienvenue à tous les nouveaux arrivants, je suis Madame Pygmalion et c'est moi qui ai créé la Sirdoué Academy afin de développer vos talents et vous entraîner pour remporter les plus hautes compétitions. Je vois, autant dire qu'on a plutôt intérêt à se méfier d'elle. Je propose d'interroger le comte poudrier. Il détecte chez elle des radiations énergétiques très intenses. Pardon. Et ceux qui d'entre vous seront élus meilleurs dans leur catégorie passeront en exclusivité à l'émission qui bat des records d'audience, Star en Herbe, émission qui sera tournée en direct ici même demain soir. Waouh, génial! Je l'adore trop cette émission! Pourrais-je vous rappeler, jeune fille, que vous êtes ici pour approcher l'excellence et non pour vous amuser? Celle-ci, on devrait l'inviter à la fête de Mandy, on dirait sa cousine blonde. Un as du skateboard, à ce qu'il paraît. Ici, nous avons l'habitude de dire qu'une démonstration vaut tous les discours du monde. À moins que vous ne préféreriez rentrer chez vous. C'est parti pour quelques figures acrobatiques. Vas-y, Alex. Mais c'est qu'elle se défend. Quelqu'un peut mieux faire? Ouvrez grand vos yeux. Cette figure était humainement impossible. Et en plus, il est beau comme un soleil. Excellent. Présente-toi au centre d'évaluation à 20h. Qu'est-ce qu'il est fort. Au centre d'évaluation? C'est quoi ça? Rassure-toi, ça ne te concerne pas. C'est seulement pour les gagnants. Retournez vous entraîner. Vous n'avez qu'une journée pour m'impressionner. On devrait se séparer et essayer de trouver quelqu'un qui connaisse les futurs casseurs. Waouh, super tes pointes. Je peux te poser une petite... Je peux te poser une petite question, la danseuse? Je te demande pardon, est-ce que je peux... Ils n'ont pas l'air de savoir que cela coulée douce, c'est aussi un art très respectable. Il faudra leur apprendre que le talent n'empêche pas la politesse. Ça ne tourne vraiment pas rond, cette histoire. J'irais bien évaluer ce centre d'évaluation. Moi, ça me dirait assez de revoir ce skateur. On pourrait peut-être le voir ce soir. Ah oui, ça c'est une idée. On se retrouve devant son bungalow. C'est bien d'entendre ce qu'ils se disent à l'intérieur. Sache qu'une super espionne ne sort jamais sans se munir d'une oreillette émetteur-récepteur. Hey, ça c'est de la précision. Laisse tomber l'accordéon, c'est le lancer d'oreillette, ton vrai talent. J'entends Madame Pygmalion et aussi Andy le skateur. Qu'est-ce que je fais sur scène? On va me décerner un trophée, c'est ça? Les récompenses attendront. Hein? Pour l'instant, voyons le taux de talent qu'il y a réellement au plus profond de toi. Impressionnant, ça a grillé l'oreillette. Oh, génial, Gladys va nous tomber dessus en rentrant. Pour l'instant, moi, ce qui m'inquiète, c'est ces deux gars-là. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Pas un geste. En fait, on est on est somnambules. Mais oui, c'est ça, c'est un de nos talents. Non seulement on marche en dormant, mais aussi on court. Tiens bien cette corde.
qu'ils ont eu le temps de voir nos visages? J'espère que non. C'est des quoi ce truc-là? On dirait une sorte de champ de force. Je vois pas ce que ça fait dans une école de talent. J'ai l'impression que l'épanouissement personnel de ces jeunes n'est pas le souci de la maison. Cette petite fouineuse devient trop dangereuse. Le moment est venu de révéler et d'exploiter ses talents. Oh, impossible de fermer l'œil de la nuit. Je suis certaine qu'il est arrivé quelque chose à Andy. J'ai ausculté mon oreillette grillée. Elle a reçu des radiations trop intenses. Je suis sûre que c'est lié à l'étrange lumière qu'on a vue. Bonjour tout le monde, j'ai une nouvelle à vous communiquer. Oui, bah ça va, elle va nous annoncer qu'on va arriver en retard à notre soirée. Notre supposée star de skateboard n'avait finalement pas la carrière nécessaire. Je vous annonce donc que sa place est toujours vacante et que je laisse à qui la voudra cette planche qu'il a laissée avant de partir. Hey, c'est le moment, je vais retourner répéter tous mes enchaînements. J'ai peut-être encore une chance, hein. Alex, rappelle-toi ce qui est arrivé à Andy. Je vais essayer de m'infiltrer dans le centre d'évaluation. Hein? Une intruse se dirige vers le centre. Arrêtez-la et attendez mon... Elle vient de réaliser le double vol du condor. C'est de la folie. Il y avait qu'Andy qui pouvait réaliser une telle figure. Plus maintenant. T'as vu ça, Sam? Sam! Elle parlait de s'infiltrer dans ce fameux centre. On fonce! Je vous préviens, je ne sors jamais sans mon accordéon. Et je n'hésiterai pas à en jouer s'il le faut. Tiens, ne te gêne surtout pas. À l'évidence, tu as des talents cachés. Et ça m'intéresse énormément. Vous êtes complètement malade. Hors de question que je joue une seule note pour vous. Tant mieux pour moi. Mais c'est quand même dommage. J'aurais bien aimé assister à ta toute dernière prestation. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut arriver à rentrer. Ça me court un grand danger toute seule. Il y a forcément une fenêtre quelque part. C'est le moment de défier les lois de l'attraction. Oh non, Madame Pygmalion a coincé Sam. Et elle s'apprête à jouer de l'accordéon. On a intérêt à intervenir d'urgence. Transformer des surdoués en zombies destructeurs? Mais pourquoi? Vous y gagnez quoi au fond? Oh, c'est bien simple. Je me nourris de ce qui donne un sens à leur vie, leur talent. Que la fête commence! Débarrassez-vous d'elle. Je crois que je vais faire l'impasse sur ce talent-là, ou peut-être l'infligerai-je à quelqu'un d'autre. Non, même moi, je ne suis pas si cruelle. Regarde, elle stocke le talent des gens dans un cube transparent. Ils emmènent Sam à nous tuer. Tu vas bien? Tu peux parler? Elle a l'air vivante, mais ramollie du cerveau. T'as entendu ça? Ça vient de là-bas. Y a quelqu'un? Clover, derrière toi, attention! Andy? Andy, tu t'attaques aux filles? Je suis déçue. Nicheuse de talent a fait d'elle une zombie comme les autres. On dirait des insectes attirés par la lumière. Exactement. Et on a juste ce qu'il faut contre les insectes au cas où tu l'auras oublié. On ne peut pas abandonner Sam comme ça. Il doit bien y avoir un moyen d'inverser le processus. Peut-être, mais seule Madame Pygmalion le connaît. Je veux... détruire. Mais oui, on va te trouver quelque chose. Oh, ça va bien maintenant, ces champs de force? On doit pouvoir le contourner ou le désactiver, ou alors... C'est quoi ça, au juste? Vous pourriez appeler plus souvent.
Papa vous manque? Là, en ce moment, on peut dire ça. On aurait surtout besoin de votre expertise pour désactiver ce champ de force. Un challenge. Voyons si Gladys peut identifier le système. Où est ça? Je veux détruire! Elle s'occupe comme elle peut. Bon, comment on fait pour désactiver un champ de force? Je viens de lancer plusieurs simulations. Dans tous les cas, il vous faudra construire un simple inverseur de phase à protons en modifiant votre... Détruire! Ah, détruire! Tout détruire! Laissez tomber, Jerry. Je crois qu'on a trouvé. Oui. Merci, Sam. Mais gardons un peu pour tout à l'heure. Quelque chose me dit que notre voleuse de talent va frapper fort ce soir lors de l'émission qui sera en direct. Le plus grand talent que le monde ait jamais connu. Moi. J'ai ouvert cette école il y a maintenant 10 ans parce que j'avais un rêve. Je voulais découvrir et révéler de jeunes talents pour les former et les perfectionner. Pour ensuite vous les approprier. Ne faites pas attention à ces mauvaises perdantes. Elles seront bientôt exposées à mon rayon. Que le spectacle commence. Skateboard, je le relève. Pas mal, mais pas la peine de frimer, ça gâche un peu la performance. Ça a l'air très susceptible, ces petites choses. C'est toi, ça? T'inquiète pas, tu vas redevenir normal dans très peu de temps. Enfin, j'espère. Je veux tout détruire! C'est comme tu veux, après tout, défoule-toi, détruis tout. Gagné! Je suis sûre qu'après ça, elle aura déjà beaucoup moins de talent. Très original, ces nouvelles figures, mais moi, je préfère celles qui ont fait leur preuve. Qui veut passer aux arts martiaux? J'accepte. J'ai absorbé le talent de tellement de ceintures noires que tu n'as pas la moindre chance de me battre. Eh ben, je peux quand même essayer. Oh là là, c'est pas gagné d'avance. Ouvrez donc les yeux, mesdemoiselles. Vous n'êtes pas de taille contre moi. Et même si je dois abandonner mon école, je vais devenir la star la plus talentueuse du monde. Désolée, il faut que j'aille me préparer pour mon émission. Voulez-vous dire un dernier mot pour la postérité avant que votre cerveau ne se ramollisse? Eh bien, mes toutes dernières paroles iront à ma copine Alex. Inverse la polarité de tes bottes anti-gravité. Que j'inverse la... Il faut avouer qu'elle a fait preuve d'un talent éblouissant. Ouais, mais après la lumière, elle va passer pas mal de temps à l'ombre. Joli travail, mesdemoiselles. Un peu trop de casse, mais efficace. Sam et les autres élèves seront contentes d'apprendre que Gladys travaille à l'inversion du redoutable rayon drainant. Je veux détruire! Gladys a juste besoin de ce petit cube d'une télécommande et le tour est joué. Arrivés.
Je ne voudrais vexer personne, mais on ne peut pas faire l'émission dans un décor si délabré. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'êtes pas forcé de tourner ici après tout. Et où voulez-vous que je trouve un autre plateau en si peu de temps? Personne ne m'aime. Excuse-moi. Les Insiders, je savais que vous viendriez. En fait, on vient de la soirée d'à côté. On peut prendre quelques glaçons? Oh, super. Très bien. Merci. Mais attends. Personne n'est en compétition, on joue vraiment tous ensemble. Eh oui, le talent, c'est pas une affaire de gagnant et de perdant. L'important, c'est de prendre plaisir à ce qu'on fait. Je sais qu'on est censé détester les méchants, mais j'ai totalement craqué sur les bottines de Madame Pygmalion. Je rame depuis des semaines pour trouver le cadeau pour l'anniversaire de Clover et tout à coup, il est là en plein sous mon nez. Et là, je suis tombée, je crois. D'ailleurs, je crois que j'ai encore un peu mal aux côtes. En tout cas, j'avais très envie de lui demander où est-ce qu'elle les avait achetées, mais bon, vous imaginez. Excusez-moi, madame, là, il y a une prison. Et vous les avez mis où, vos chaussures? Il n'y aurait pas moyen de faire un saut en prison pour prendre les références? Eh oui, bien sûr, c'est ça. Tu as aimé ce programme? Retrouve-le vite sur Gulli Replay. Tout de suite sur Gulli. Enfin quelque chose.